Alors, à la base, notre concept, c'était lié à l'affaire Roswell, qui s'est déroulée en 1947 dans le Nouveau-Mexique. Et on a vraiment aimé cette atmosphère de suspicion qu'il y a eu à l'époque autour de cette enquête. C'est vrai que ce qui nous a rassemblés pour faire le film, c'est qu'on était tous fans des films des années 80, comme Rencontre du troisième type ou Indiana Jones. Et c'est vraiment ce genre de film qui nous a influencés pour faire The Black Alien. Et c'est aussi à partir de ces films-là qu'on a voulu faire une évolution de genre, à savoir du coup partir d'un genre plus film noir et amener le film doucement vers un film plus science-fiction des années 80. Et du coup, on a commencé la pré-production en faisant pas mal de repérages. Et ces repérages, on les a axés toujours par rapport à l'histoire, en essayant de trouver des lieux qui soient vraiment emblématiques, là encore pour toucher un maximum de personnes. Ce qui est bien avec Rave Movie, c'est qu'on a pu directement expérimenter des techniques de mise en scène qu'on n'avait pas forcément prévues au pré-storyboard et qu'on a pu vraiment essayer des montages, essayer vraiment des cadrages différents et on savait que ça allait marcher directement au tournage. Ce qu'il y avait aussi de très important et très intéressant avec cette prévie, c'est qu'elle nous permettait d'une part de pouvoir quantifier le travail de post-production et d'autre part de pouvoir nous aider pour le tournage, pour le pré-tournage en fait. Bon, globalement on a quand même eu des conditions météorologiques assez difficiles. On a dû gérer des grosses équipes, mais on a vraiment pris beaucoup de plaisir au final à tourner le film et encore plus par la suite à faire la post-production du film. Lumière sur le tournage. Donc pour cette journée, on a mis en place un éclairage qui simule une course-poursuite de nuit en plein désert. Donc on a pour ça une mandarine qui éclaire très très fort pour simuler la lumière de la lune. Et comme c'est une course-poursuite, on a créé un rig de deux mandarines à l'avant de cette voiture. Donc c'est un rig qui bouge pour avoir des lumières dynamiques, pour avoir la sensation qu'il y a une voiture qui est juste devant celle-ci. Lors du tournage, en fait, on a tendu des grands draps noirs autour des voitures parce qu'il faut savoir que ces voitures réfléchissent vraiment énormément au niveau de la carrosserie. Donc ces draps noirs ont justement permis de supprimer toutes les réflexions ambiantes pour ensuite les recréer en post-production. Ce qu'on voulait avant tout, c'est garder de la liberté pour la mise en scène. Et du coup, notamment pour la séquence de course-poursuite, on voulait faire des plans qui soient très dynamiques, quelque chose qui soit assez impressionnant. Et on a donc décidé de modéliser les deux voitures en CG. J'ai dû modéliser la voiture des agents dans le film, qui est la voiture noire, exactement pareil que celle qu'on avait au tournage. Je me suis occupé des principaux assets en look development et pour moi c'était un peu un challenge parce que bon, il a fallu rendre les choses assez réalistes. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir un compromis entre réalisme et esthétisme, d'avoir quelque chose d'assez adaptable pour que dans chaque plan, on n'ait pas quelque chose qui soit très différent et qu'on ait beaucoup de réglages à faire, que ça marche directement. Ce qui me passionne dans le lighting, c'est que j'ai vraiment pu me servir de ça pour accentuer l'histoire, qu'on ressente mieux le sentiment des personnages, qu'on ait plus de dynamisme dans les plans et qu'on soit vraiment immergé dans le film. Les plans full CG de la séquence de course-poursuite, il a fallu avoir un aspect très réaliste. Donc avec des photos de référence, j'ai ajouté des détails comme les glints sur les hautes lumières, des effets de blooming, du grain et toutes ces choses qui permettent d'avoir un aspect qui soit réaliste. Bien sûr, on n'a pas fait tirer les acteurs lors du tournage. Pour faire les muzzle flash, j'ai directement créé le muzzle en 2D dans After Effects, que j'ai ensuite importé dans Maya pour l'utiliser en tant que lumière réelle avec un vrai mesh light, que j'ai ensuite plaqué sur une card pour avoir la vraie réflexion dans la carrosserie de la voiture. Et ensuite, j'ai composité le tout dans Nuke pour récupérer cette réflexion dans la carrosserie du Rush Live. Pour les plans où on est à l'intérieur de la voiture, j'ai dû commencer par abaisser toutes les hautes lumières qu'on avait au tournage pour avoir un aspect qui fasse plus nuit et après j'ai rajouté le décor qui défile derrière. À ce moment-là, il se posait un problème, c'est qu'on n'avait plus trop de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai donc rajouté une vitre devant par des petits détails comme de la crasse, de la poussière, des specs pour qu'on ait cet aspect intérieur-extérieur. Concernant les plans de la ferme, je me suis surtout occupé du texturing et du shading de l'intérieur de la grange. J'ai ensuite ajouté de l'herbe et du foin grâce au fur de verre, qui est assez rapide à rendre et qui permettait d'ajouter beaucoup de taille dans la scène. Ce
qui était vraiment cool sur ce film, c'est de pouvoir utiliser différents effets en dynamique pour rendre l'histoire plus vivante. J'ai utilisé les boîtes de fluide de Maya rendues avec Arnold, notamment pour le plan où la soucoupe se crache. Je m'en suis servi pour la fumée de la roquette, puis pour l'explosion en l'air en mélangeant trois simulations différentes. J'ai enfin ajouté deux boîtes de fluide pour l'impact au sol. Pour le dernier plan du film, j'ai utilisé des effets de fluide, de particules, mais aussi des déformations de texture sous After Effects. J'ai ensuite composité toutes les passes dans Nuke.